Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des gens qui se prennent, qui ne sont pas. Comme par exemple en expliquant des gens qui se font croire qu'ils sont une personne derrière un ordinateur. Admettons, vous tchatchez, vous rencontrez quelqu'un sur le net et cette personne-là n'y est pas. C'est du pipeau. Donc, j'informe à tout le monde de faire très attention avec ce genre d'internet, d'avoir vraiment confiance à la personne, en soi-même, et faire confiance un peu à la personne. Le problème, si cette personne n'a pas de webcam, n'a rien du tout, répondez tout de suite à la question que... un peu étonnant que cette personne n'existe pas. Donc, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Car l'arnaque sur le net, c'est que c'est beaucoup fréquent. Donc, un pays qui est beaucoup visé, qu'on considère arnaque, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais être honnête avec vous, qui n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire, qui a de l'arnaque aussi grosse que ça. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup plus élevé que ça. Sur ce propre territoire, donc en France, il y en a beaucoup d'arnaqueurs qui se prend pour des gens qui ne sont pas. Ils font croire qu'ils habitent un pays et qu'ils ne sont pas. Pas de téléphone, pas de webcam. Et surtout, la personne, elle appelle quoi? Tout le je sais pas quoi. Donc, ce que je vous dis ça, ça adresse à une personne que moi-même je connais, que je l'ai averti, attention à cette personne. Cette personne, c'est un ami, hein. Un ami étonnant, très très étonnant, car lui-même, il était naïf. Il était très très naïf, car cette personne l'a escroqué de je ne sais pas combien. Ça veut dire que même moi, je ne connais pas les prix. J'ai entendu des sommes et j'envisage franchement que ça peut monter jusqu'à 1500, 2000 euros. On ne sait pas. Donc je fais des suppositions. Voilà. Pourquoi je dis qu'il s'est fait arnaquer? Car cette personne a fait tout simplement que tout simplement, comment dire, cette personne a fait une escroque, grosse escroquerie totale. Parce que l'escroquerie, quand je parle d'escroquerie, c'est vraiment escroquerie, quoi. C'est pas logique du tout, car quand quelqu'un se prend pour qu'il n'est pas, ce n'est pas bien du tout. Et surtout, ça fait nuire à un pays qui est surtout, qui n'est même pas ce pays-là. Hein? Donc je trouve que franchement, arrêtez d'accuser d'autres pays sans examiner elle est où la plateforme. C'est vrai, hein, je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire, il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et qui est le numéro 1 de l'escroquerie sur Internet, hein, pour les anglophones. Hein. Pour la Côte d'Ivoire, c'est les francophones. Donc voilà pourquoi des grosses escroqueries comme ça qu'il y en a. Et sur notre territoire, sur le territoire français, il y en a beaucoup d'escroqueries car ces personnes-là aiment bien ce genre de type. Pourquoi je parle de ce type-là sur la vidéo? C'est que moi, personnellement, je n'aime pas du tout escroquer qui que ce soit. Je n'aime pas les gens qui escroquent des amis que j'aime bien. Bon, le problème, il ne m'a pas voulu écouter, c'est son problème. Donc, je trouve franchement que pourquoi j'ai prévenu sa curatrice, hein, vous imaginez un handicapé qui se fait escroquer comme ça. Moi, je trouve qu'il est inadmissible. Donc, c'est pas normal. Et je trouve que c'est pas du tout normal. Pourquoi s'attaquer au plus faible? Et que lui-même... bon, bref. Hein. J'aurais bien voulu que tout le monde voit cette vidéo aujourd'hui. Il sera
très plaisant pour moi parce que je trouve que c'est pas normal qu'on fait du mal à des gens comme ça. Je trouve pas que c'est pas normal. Donc voilà pourquoi je dis cette petite information. Donc voilà. Et lui-même, hein. Bon, voilà. Bon, ben, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que vous allez bien m'écouter, m'envoyer des commentaires quand même. Je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Au revoir.